Au Pré Saint-Gervais, en ce dimanche 6 décembre, c'était un peu Noël avant l'heure. On a l'intention de voir le Père Noël. Il a fait un déplacement exprès au Pré Saint-Gervais, dans un super traîneau. Et je pense que ma petite fille va être ravie de le voir. Comme chaque année, le Père Noël a pris du temps dans son planning pour venir faire un petit tour au marché de Noël de la ville. Ça fait presque une dizaine d'années que cette manifestation a été installée sur la ville du Pré Saint-Gervais. Et je dois dire que l'édition de cette année est pleine de bonheur parce que la qualité des produits est là, la densité des stands est là et surtout, l'essentiel, la densité des Gervaisiennes, des Gervaisiens et au-delà qui sont venus très très nombreux visiter ce marché de Noël cette année. Une organisation bien rodée et des exposants satisfaits. On a été accueillis ce matin, on a vu les différents élus qui sont venus nous dire bonjour et on s'est installé et il y a eu du monde dès très tôt ce matin. Ça se passe bien, on a du monde, l'accueil est très agréable, les gens sont très réceptifs au travail qu'on fait. Et la lourde tâche de mettre en œuvre le marché de Noël et de trouver les bons artisans revient à Jean-Abel Pécaud, conseiller municipal chargé du développement économique et de l'attractivité commerciale. Le marché de Noël, ça s'organise très longtemps à l'avance, dans la mesure où c'est quelque chose d'important pour la ville du Pré-Saint-Gervais. On commence la préparation déjà début septembre et ça s'étale jusqu'au jour d'aujourd'hui où le marché de Noël est ouvert. Les promeneurs ont pu ainsi déambuler dans les allées du marché couvert et découvrir toutes sortes d'artisanat local. Alors on vend des jouets en bois, des boucles d'oreilles et puis des céramiques en fait qu'on a confectionnées nous-mêmes, tout à la main. Je crée des doudous d'autrefois en lin, en toile à matelas et des petites choses à accrocher comme les cœurs. Il y avait des petits chats tout à l'heure mais il n'y en a plus. Le produit phare c'est le foie gras, évidemment, on est en période de fête. Mais je propose également du miel qui fonctionne très bien, des chocolats, un peu de champagne également. Je vends un peu de pâtisserie, des sablés de Noël, des cupcakes, tout ce qui est macarons pour Noël. Alors je vends essentiellement des bijoux sur une base d'argent et je fais des petites perles en tissu pour faire des colliers ou des boucles d'oreilles très délicates. Et là, j'expose au marché de Noël avec deux amis qui font plutôt des petits accessoires maison, des petits coussins, des petites guirlandes en tissu très belles. Au détour d'un stand, on a même pu trouver les ados du service jeunesse venus récolter des fonds pour leur association. Pour récolter les fonds, on vend des boissons chaudes, des boissons fraîches, des gâteaux, des crêpes, des viennoiseries, plein de choses. Je pense que c'est important aussi d'avoir des moments comme ça de rassemblement. Enfin, quelque chose pour une bonne cause. Certains diront que c'est commercial, mais malgré tout, voilà, y a un côté un peu magique, je trouve, qui se perd trop chez les enfants d'aujourd'hui. Et pour offrir une journée magique aux petits Gervaisiens, la mairie a encore fait le plein d'animations. Et cette année, bien sûr, la mode est à la Reine des Neiges avec Olaf, son bonhomme de neige. Nous avons rajouté à cela une calèche avec le cocher, son valet, pour faire un tour de la ville du Pré-Saint-Gervais. Nous avons aussi une ferme vivante dans l'espace de la Petite Criée, qui est l'emplacement culturel de la ville du Pré-Saint-Gervais. Et nous avons aussi le petit manège de bois. On a mis un peu plus d'activité cette année pour faire plaisir aux petits. Avec le Père Noël, bien sûr, je n'allais pas l'oublier celui-là. Noël, par tradition dans notre société, c'est un moment un peu particulier, un moment où on se retrouve en famille, parfois aussi en famille et entre amis, où les gens ont besoin de se rencontrer de manière un peu feutrée. Et l'objectif, naturellement, de ce marché, c'est de permettre à toutes celles et ceux qui le souhaitent de partager un moment de vivre ensemble qui est essentiel et même déterminant dans les périodes de troubles que nous traversons. Agréablement surpris, je viens pour la première fois, en fait, je viens voir une amie. C'est grand, c'est bien organisé, c'est sympa. C'est pas forcément comme sur d'autres marchés Noël où c'est des choses qu'on retrouve dans tous les marchés. Là, c'est beaucoup de choses créées, ça va. Depuis qu'ils font ça, c'est formidable. Chaque année, c'est très bien. Ça a beaucoup de succès.
Je souhaite à chacune et à chacun un merveilleux Noël. J'espère que toutes celles et ceux qui ne sont pas en situation de faire un Noël en famille, etc., ont pu profiter des nombreuses manifestations qui ont été portées par la ville. Je pense notamment à ce que nous avons fait pour nos anciens, pour avoir ce moment de joie et des partages. Et pour toutes celles et ceux qui vont avoir le bonheur de se retrouver avec des enfants autour du sapin, eh bien, je leur souhaite un grand, grand moment de bonheur. Des enfants émerveillés, des parents heureux, des exposants ravis, une bien belle journée pour patienter jusqu'à Noël.